Franck Dano, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. On va parler de votre dernier essai, donc « Une jeunesse » de Marcel Proust, qui a été édité en septembre 2017. Donc bienvenue parmi nous. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous? Vous êtes un auteur, vous avez été primé une quinzaine de fois. Oui, que puis-je vous dire? J'ai écrit des biographies de femmes, Madame Zola, Madame Proust, Flora Tristan, George Sand. Mais toujours, en fait, j'aime m'intéresser à des angles qui n'ont pas été du tout explorés. D'accord. Donc voilà, je dirais que mon angle à moi, c'est la curiosité pour ce qu'on n'a pas encore vraiment été regardé. D'accord. Mais la curiosité, c'est un magnifique défaut parce que ça nous permet d'aller dans des environnements que vous n'avez pas encore exploités. Donc, quels sont les environnements que vous n'avez pas encore exploités en littérature? Alors, les environnements que je n'ai pas encore exploités ou que je n'ai pas encore exploités, disons, officiellement, c'est plutôt la veine romanesque. D'accord. J'ai écrit des romans, mais c'était avant de publier. Donc voilà, ce sera sans doute... Ça fait partie de vos plans? Ça fait partie de mes plans. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire en termes de roman? Alors écoutez, en termes de roman, j'ai un texte en préparation. D'accord. Donc on sera un peu à la frontière du biographique et du roman. Pour cet été ou bien? Oh non. D'accord. Moi, il me faut des respirations. Des respirations. Il faut de la liberté, de la respiration. C'est important quand on écrit. Du temps, je ne suis pas aux pièces. D'accord. Mais j'ai un livre, si vous voulez qu'on parle de l'avenir plutôt que du passé. Non, on va d'abord parler d'une jeunesse de Marcel Proust. J'ai un livre sur les maisons d'écrivains qui va sortir au printemps prochain. Mais on y revient dans deux minutes. D'accord. On va parler d'abord d'une jeunesse de Marcel Proust. Hein, oui. Donc votre dernier essai qui a été publié en septembre 2017. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, l'angle, puisqu'on parlait d'angle inédit, c'est vraiment un travail qui n'a jamais été fait sur, ou plutôt autour du questionnaire de Marcel Proust. D'accord. Le fameux questionnaire de Marcel Proust, qui n'a pas été écrit par Marcel Proust, il a répondu aux questions. Il était extrait d'un album, et dans cet album, il y avait une cinquantaine de jeunes filles et de garçons qui avaient aussi répondu au même âge, c'est-à-dire... Proust a à peu près 16 ans quand il répond à ces questions. D'accord. Et donc, l'enjeu, c'était ça. C'était se dire, mais est-ce que Marcel Proust était quelqu'un de si exceptionnel que ça quand il avait 15 ans ou 16 ans? Et pour ça, pour la première fois, vraiment, j'étudie, si vous voulez, tout le contexte, c'est-à-dire les réponses à 24 questions composées qu'on a posé à d'autres jeunes du même âge. Donc vous voyez, c'est une coupe, en quelque sorte, dans une tranche, dans une génération. Qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, de quoi ils rêvaient, qu'est-ce qu'ils auraient aimé être, quelle musique ils écoutaient. Voilà, c'est tout ça autour de Marcel Proust. Si on devait demander à Evelyne Bloch-Dano, c'est-à-dire vous, hein, ouais. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous rêvez aujourd'hui? Ah, je rêve, c'est difficile parce que vous arrivez à un âge. Non, d'abord, je suis quelqu'un qui réalise ses rêves. D'accord, ça c'est déjà magnifique. Hein. C'est-à-dire c'est déjà une chance énorme. Enfin, qui réalise. Peut-être que j'ai peut-être tout simplement des rêves réalisables. D'accord. D'accord. Si... Tous les rêves sont réalisables, en théorie. Oui. Presque. Bon, on Presque. Va dire. Peut-être tous les rêves, on va dire. Donc, de quoi je rêve maintenant? Peut-être d'avoir beaucoup de temps, de pouvoir profiter des choses. D'accord. Davantage. Je pense D'accord. que c'est le privilège de l'âge. D'accord. Dites-moi une chose, pourquoi Marcel Proust avec ce questionnaire inédit? Alors, j'avais déjà écrit sur Marcel Proust. J'avais écrit une biographie, là aussi, qui n'avait jamais été faite. C'est la seule, la première, pour l'instant la seule, sur la mère de Marcel Proust. Je me suis vraiment, depuis l'âge de 17 ans, je lis, je relis Proust. Et ce qui m'intéresse finalement, je me rends compte, chez lui, c'est paradoxal, mais c'est la période qui précède l'écriture. D'accord. Et c'est-à-dire, comment est-ce qu'on devient un très grand écrivain? Comment est-ce qu'on devient, allez, on va dire un génie? Je ne sais pas si Marcel Proust est un génie, mais en tout cas, un immense écrivain. Comment est-ce qu'on devient un immense écrivain, Evelyne Bloch-Dano? Mais c'est ça, c'est que
j'ai pas de recette. Vous n'avez pas de recette. Moi, j'ai pas de recette. Mais peut-être nos téléspectateurs ont envie de savoir. Écoutez, non, c'est pas des recettes. C'est en fait, c'est aller explorer un peu l'environnement, la psychologie, notre intérieur, la profondeur. D'accord. Voilà. Et je crois que chez tout grand écrivain, il y a quand même une volonté de tout concentrer à un moment de sa vie autour de l'écriture, certainement. Mais ça ne suffit pas. Mais vous qui avez eu 15 prix, enfin, je veux dire, c'est quand même, vous avez un secret, ou en tout cas, je ne sais pas, quelque chose à nous dévoiler. Tous ceux qui ont envie d'écrire, ils ont peut-être envie de savoir. Du travail. D'accord. Et voilà, c'est comme dans toutes les professions, de la passion. Oui. Et surtout, justement, ne pas croire aux recettes. D'accord. Se laisser aller. Ne pas croire aux trucs à la mode. D'accord. Évidemment, on peut vendre plus en faisant des choses qui plaisent à tout le monde. Moi, je préfère suivre mes passions et la littérature, parce que je dirais quand même que mon domaine, c'est un domaine littéraire, proprement littéraire. J'ai une dernière question, avant malheureusement que je vous laisse partir, mais on a envie de vous retenir, vous êtes tellement passionnant. Je reviens cet après-midi. Vous venez cet après-midi. Alors on ne sait jamais. Dites-nous une chose, qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Est-ce que, comme ça, on se réveille un matin, on se dit, tiens, je vais écrire? Non, alors franchement, en ce qui me concerne, j'ai toujours écrit, depuis que je sais écrire, mais avant de savoir écrire, je me racontais des histoires, c'est-à-dire avant... Le petit journal intime d'ado... J'ai toujours tenu un journal depuis 12 ans. D'accord. Et puis quand j'avais 6 ou 7 ans, par exemple, j'avais recopié un de mes livres, parce que je pensais que les livres n'existaient qu'en un seul exemplaire. Donc, je m'étais dit, si jamais je le perds, il faut absolument que je l'aie. Ouais. Alors voilà, mais ça... D'autres gens commencent très tard. Moi, je vous ai dit, les recettes... Il n'y a pas. C'est comme en cuisine. Si vous suivez exactement une recette... Il y a quand même une recette. Je ne sais pas si elle vous concerne. L'intuition, le fait d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de mettre sur le papier. Est-ce que ça, ce n'est pas forcément une recette, mais c'est peut-être un chemin vers l'écriture? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi d'écouter... Écouter peut-être une espèce de nécessité comme un appel, qui vous guide, finalement. Oui, voilà. C'est vrai, qui vous guide vers un sujet. Ouais. Quelquefois, c'est pas forcément, vous voyez, une réussite, parce que votre appel, il n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais d'autres fois, oui. On dit parfois que ce n'est pas finalement l'objectif, mais le chemin. Donc c'est tout ce travail intérieur qu'on pose, qu'on couche sur papier. Je pense, puis il faut du plaisir. Je veux dire, si vous n'éprouvez pas ce plaisir, mais qui va l'éprouver? Vous voyez? Et puis de la rigueur, je pense aussi. Écoutez peut-être aussi les gens qui vous avez confiance. Tout ça. Écoutez, Evelyne Bloch-Dano, Une jeunesse de Marcel Proust, donc publiée en 2017, en septembre. On est ravis, mais vraiment plus que ravis de vous avoir reçu avec nous. Et on espère vous retrouver très bientôt. Et on vous remercie infiniment de ce moment de partage. Moi aussi, merci beaucoup à vous. Merci.